Amoureux des Pink Floyd, ces musiciens passionnés ont décidé de rejouer l'album The Dark Side of the Moon avec tous les instruments de l'époque et en live. Un hommage, pas seulement une performance inédite. L'enjeu du spectacle, c'est de jouer l'album intégralement sur scène. Et quand je dis intégralement, c'est évidemment toutes les parties chansons que tout le monde connaît, mais c'est aussi les parties synthétiseurs. Les bruitages, ils ne pouvaient pas les faire à l'époque, parce qu'à l'époque de l'analogique, les technologies ne permettaient pas de faire des bruitages, de sonoriser un réveil, un petit tic-tac de réveil, c'était impossible à l'époque. Ils n'étaient que quatre sur scène, et sur cet album, ils ont fait beaucoup d'enregistrements multipistes. Souvent, la guitare est doublée, les claviers sont doublés, les orgues, les pianos électriques, tout ça est doublé. Donc c'était un petit peu difficile de tout restituer sur scène, seulement à quatre. L'idée, c'est vraiment de jouer avec les instruments et je dirais même les appareils de studio de l'époque, hein, c'est-à-dire les chambres d'écho à bande qu'on avait à cette époque-là, les chambres de réverbération à ressort. Et c'est drôle, hein, parce que dès qu'on fait ce son, pouf, on est dans Monet. Formés au milieu des années 60, les Pink Floyd se démarquent par leur passion des machines et du bidouillage sonore. Ici, c'est une chambre d'écho à bande, voilà, qui permet de faire des échos. Et ça, c'est un instrument qui est une réverbération. Et donc, on peut jouer directement sur le ressort. Le pseudo-enregistrement, on peut l'utiliser comme vraiment comme un magnétophone. On vient jouer devant un micro, avec un ampli, on joue un morceau. Et puis on peut servir du studio comme d'un lieu de création, avec tous les effets spéciaux, alors à l'époque c'était encore basique, de superposition, de filtrage, d'écho, de réverbération, de distorsion. Et ça devient un nouvel instrument de création et de composition. Preuve qu'on peut marier expérimental et succès, l'album The Dark Side of the Moon est le deuxième album le plus vendu de tous les temps, juste derrière Thriller de Michael Jackson. Ce que je trouve vraiment très fort chez Pink Floyd, c'est qu'ils apportent aussi leur magnifique ouverture vers d'autres musiques, et c'est un vrai groupe. C'est-à-dire que Richard Wright, le clavier, va amener son goût pour le jazz, la musique classique, son toucher très classique. Roger Waters et Nick Mason vont amener leur goût pour la musique expérimentale, les manipulations avec des magnétos à bandes, avec les synthétiseurs. Gilmour va amener son son unique de guitare. Il y a vraiment un équilibre très très fort entre une musique de recherche et une musique populaire.